Cette semaine, je conduis la Mercedes-Benz GLA 45 AMG 4MATIC Plus 2021. Le modèle GLA chez Mercedes, c'est le plus petit VUS. Je sais que ça ressemble à une voiture, mais c'est considéré un VUS. La version derrière moi, c'est la version AMG. Alors, c'est la version vraiment de performance. Alors, le devant, on a un devant plus agressif, une grille plus agressive aussi. Aussi, si on veut en option, on peut avoir un kit aérodynamique qui va être encore plus agressif pour le modèle AMG. La couleur cette semaine, une couleur matte que le nom, ça s'appelle Designo Mountain Grey Magno. Nom très facile à retenir, bien sûr, quand on se vante à tous nos amis de la couleur de notre véhicule. Ici, on retrouve des jantes de 19 pouces et à l'arrière, on peut remarquer les breaks typiques de AMG, des gros étriers, des disques aérés, tout ça. Alors, on a de la puissance pour freiner. Si on continue, on peut remarquer que sur ce modèle-là, ici, on n'a pas de touche de chrome parce qu'on a le Night Package. Le Night Package vient éliminer le chrome. Même chose pour le rack ici, on vient tout en noir. Finalement, si on se déplace à l'arrière, encore une fois, on a un petit aileron ici. Mais si on veut opter pour le package aérodynamique, on peut avoir une grosse aileron de style rallye, qui est assez cool à mon avis. Et finalement, on a une sortie à quadruple échappement en noir pour entendre le son de notre AMG. Côté valise, regardez, c'est là qu'on vient voir la différence vraiment entre un modèle hatchback puis un mini VUS comme celui-là. On a une bonne valise, profonde, assez pratique. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment plus d'espace pour transporter des choses, quand même dans un format compact. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui teste les places arrière. D'habitude, c'est Eve, c'est plus un petit peu normal. Là, c'est sûr et certain, moi, je suis assez grand, je suis 6 pieds et 3. Je suis pas capable de rentrer en arrière de mon banc, alors j'ai dû avancer le banc. À l'arrière, une des avantages, encore une fois, à cause que c'est pas une voiture, c'est un VUS, on a plus de place pour la tête, plus de place aussi pour les jambes parce qu'on est assis comme un peu plus haut et les jambes ils descendent un peu plus vers le bas. Un peu comme dans un Chevrolet Bolt, on pourrait dire. Des fois, c'est compact, mais c'est fait plus sur le haut. Alors, regardez, c'est sûr et certain, si je serais assis derrière une grande personne, peut-être que je ne rentrerais pas. Mais s'il y aurait une personne normale en avant de moi, je serais capable de rentrer à l'arrière. Mais il y a de la place pour ma tête, je suis confortable. Pour la grosseur du gabarit, c'est excellent. Sous le capot, on retrouve un 2 litres turbo assemblé à la main. Bon pour 382 chevaux et 354 de torque. Jumelé à une transmission à double embrayage, 8 vitesses. Moteur très puissant pour la grosseur du cylindré. Alors, le turbo, il pousse beaucoup de PSI, beaucoup de boost, mais beaucoup de plaisir. Bon, derrière le volant de la GLA 45 AMG, c'est un modèle AMG, c'est un modèle performance, ça veut dire que ça a un launch control. Ça décale, c'est le fun, ça sonne comme un char de rallye. On peut faire le 0-100 en 4,4 secondes. C'est assez rapide pour un VUS. Maintenant, je vais prendre ma fameuse courbe pour voir si ça tient à la route. C'est solide. Hein? On est sur le 4MATIC Plus. C'est un des systèmes intégrales les plus avancés pour la performance. À chaque fois que je prends la courbe avec un 4MATIC Plus, je suis très, très impressionné. Bon, regardez, on le voit, la GLA AMG, c'est vraiment une machine de performance. Ça tient la route, ça décolle, ça a un bon système intégral. Est-ce qu'on sent à l'intérieur d'un VUS? Non, vraiment pas. On sent comme dans une espèce de Golf Air obèse un peu, là, surdimensionné. Là. On sent plus comme en arrière d'un volant d'une Golf. Extrêmement le fun à conduire. Il y a un beau son aussi, ça pop.
C'est le fun de changer les vitesses. Beaucoup de plaisir en arrière du volant. Fait que, avec presque 400 chevaux en dessous du capot. C'est sûr qu'il faut le garder dans le beau. C'est un moteur qui est turbo-compressé, vraiment. Beaucoup de PSI. Puis c'est sûr que quand on n'est pas dans le boost, le moteur manque un peu de torque. C'est normal d'un petit moteur avec peu de displacement, je pourrais dire. Mais en gros, regardez, pour le gabarit, ça a en masse de pouvoir. Une très bonne tenue de route. Encore une fois, le 4MATIC Plus, c'est un de mes systèmes intégral préférés. Ça pousse dans les courbes. On peut y faire confiance. Super, super, super de ce côté-là. Fait que si vous recherchez quelque chose un peu comme un genre de Golf, mais un petit peu plus pratique, 4 roues motrices, mais vous voulez pas que ça sacrifie sur la joie de conduire, c'est ça que vous allez retrouver un peu en arrière du volant. Est-ce que c'est confortable sur la route? C'est un modèle AMG. Présentement, je suis en mode confort. C'est sûr et certain, la suspension est faite pour la tenue de route. C'est pas le petit VUS le plus confortable. On a des bons sièges, mais on a des pneus performance, on les entend, les pneus, ces choses-là. C'est un AMG, c'est la priorité, c'est la performance et non le confort. Mais quand même, je pourrais dire, on n'est pas autant battu que comme dans un Golf ou dans une voiture sport, mais on n'a pas le confort d'un VUS. Si on regarde à l'intérieur, un intérieur très joli pour le gabarit du véhicule, on a des belles finitions en Dynamica. Celui-là est vraiment bien équipé, le modèle cette semaine. On a le beau volant AMG, on a le bouton que j'aime pour changer les modes. On a aussi l'espèce de package qu'on peut le mettre jusqu'en mode race avec le launch control, tout ça. Les paddle shifters sont le fun. C'est le même volant qu'on retrouve un peu dans une AMG GT ou même dans un GLE coupé AMG à 160 000. C'est le même design. On a des beaux suettes autant sur le volant que dans les sièges. Des beaux finis en bois. On peut même le mettre sur le volant. Encore une fois, tout ce qui est performance, ce qui est AMG, très simple. Quand on passe un peu plus à l'écran, à la navigation, changer les postes de radio, ces choses-là, ça devient plus compliqué. On a un chargeur sans fil qui est plus facile d'accès, qui est plus gros que la part de toutes les autres Mercedes que j'ai eu à l'essai, comme les GLE, GLE coupé, etc. Donc, au moins, ma main rentre. C'est un petit peu plus pratique que dans les autres modèles. Bon système de son, belle finition. Regardez, on rentre à l'intérieur du GLA, même si c'est un modèle un peu plus d'entrée de gamme, la GLA, pas le 45 AMG. On n'est pas déçu, même si c'est un modèle plus entrée de gamme de la gamme des VUS. Bon, côté économie d'essence, c'est sûr que cette semaine, j'ai eu le pied pesant un peu. J'aimais ça écouter le son, j'aimais ça faire pomper un peu l'exhaust. Je fais environ du 13,5-14 litres. Je pourrais dire, dans la vie de tous les jours, on fait du 11-12, je pourrais dire, là, si on le conduit normalement. C'est pas un moteur économique, c'est un moteur qui a beaucoup de boost, qui crache beaucoup de gaz dans le petit moteur pour être capable de soutirer ces performances-là. Le véhicule aussi est quand même pesant, il pèse environ le même poids qu'un Mustang GT à cause du all-wheel drive, toutes ces choses-là. Il est juste sous la barre des 4000 livres. Fait que de ce côté-là, c'est sûr et certain que même si c'est un petit gabarit, à cause qu'on a vraiment un moteur de performance, on peut pas vraiment faire des super chiffres côté économie d'essence. Bon, OK, on a une peinture spéciale, on a un super beau dedans, on a un extérieur que, à mon avis, à moi, est correct, là, le style, mais on a un bon système intégral, un bon moteur. C'est quoi le prix de cette voiture cette semaine? Attachez votre sucre, le modèle à l'essai de 76 000, 750 $. Puis il n'est pas full equip, il manque des bancs spéciales, des ailerons, tout ça. On peut monter facilement dans les 80 000 $. L'entrée de base pour un AMG, on parle de 60 500. Mais regardez, oui, c'est fantastique. Oui, on a de la qualité. Oui, on a des performances. Mais ça reste quand même extrêmement cher. On parle de 76 000, 80 000 $. On peut avoir une Corvette pour le même prix. Je sais que c'est pas la même affaire, mais c'est juste pour vous donner un exemple qu'on est capable de rentrer dans une Corvette pour le même prix que ce bolide-là. Fait qu'en gros, pour conclure, c'est un véhicule de niche. C'est vraiment quelqu'un qui aime la performance. Il a besoin d'un petit peu plus de place qu'une espèce de hatchback. Il est limité sûrement pour le stationnement.
mais quand même, il veut un côté pratique, quatre saisons, tout ça. Ça prend vraiment une personne en particulier pour acheter ce type de modèle-là. On va se le dire entre vous et moi. Mais regardez, c'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent sur le chemin. Mais moi, j'adore ces modèles uniques-là, surtout en version AMG. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire ça. Je vais vous le dire, dans les petits véhicules, là, un peu plus de performance là, que j'ai eu à conduire cette année, pour la joie de conduire, c'est mon préféré de loin. Mais rapport qualité-prix n'est pas trop là. C'est pour vraiment vouloir ce véhicule-là pour dépenser ce montant-là. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce véhicule-là, le GLA 45 AMG, il vaut vraiment le 75-80 000? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. Aussi, on vous met les liens de nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Tout le kit est là-bas. Likez la vidéo, c'est toujours apprécié quand vous nous encouragez. Alors, on se revoit dans un prochain essai routier.